cher journal. J'ai une amie qui est venue dormir chez moi quelques nuits le temps de louer son appartement à des touristes allemands. Sauf que ça fait 3 mois et elle est toujours là. Je sais pas comment lui dire que j'aimerais bien récupérer mon lit. Oh pardon, je t'ai réveillée. Tu fais quoi? Bah c'est pour que ce soit feng shui. Tu sais, c'est beaucoup mieux pour ton système immunitaire, beaucoup mieux dans ton appartement et aussi à l'intérieur de toi, tu vois. Je suis d'accord qu'un petit peu de changement ne me ferait pas de mal, mais bon... Je suis pas certaine que ce soit en la laissant envahir ma zone de confort que je vais réussir à en sortir. Tu sais où elle est, la machine à café? Ah, je l'ai vendue. Quoi? Ça te faisait pas du bien, le café, le matin? Bah... J'ai fait du thé à l'amande, si tu veux, sers-toi. Hein. Enfin, fais comme chez toi. Bah, c'est juste que j'aime bien le café le matin. C'est pas top pour les intestins, tu sais. Ok. Parce que tu sais que t'es... Enfin... Je sais que le matin, tu... Alors, c'est mon amie, et j'apprécie qu'elle soit tout ce que... J'apprécie qu'elle soit tout ce que je ne suis... Tout ce que je ne suis pas. Dynamique, souris... Dynamique, souris... Souriante... Ah! Hyper envahissante et surtout super chiante! T'as dit quoi? Rien. T'as dit que j'étais chiante? J'ai rien dit. Y a aucun son qui est sorti de ma bouche, pour le coup. Ok. Tu fais quoi? J'essaie de terminer ma page. Fais voir. Pour ne pas avoir à dire ce que je n'ose pas lui dire, j'invente des excuses pour retrouver mon espace vital et pouvoir ne rien faire en toute tranquillité. Tu crois qu'éventuellement... Attends. Je me disais peut-être que ce week-end... Tu... Attends. En fait... Terminé. Tu sais que c'est exactement le même texte dans toutes les éditions? Je me disais peut-être que ce week-end tu pourrais rentrer chez toi parce que je dois héberger mon frère ah, et... Ah mais je... non. Tu sais, moi je lui sous-loue mon appartement, il n'y a aucun problème. Hein. Comme ça il vient pas nous envahir ici. C'est fou cette histoire parce que... En fait c'est l'histoire de Télémaque qui est le fils de Pénélope et d'Ulysse. Et en fait Ulysse, il est parti faire la guerre de Troie. Il y a quasiment 20 ans, donc ça veut dire que Télémaque, en fait, il l'a même pas connu.